parti pour les explications du modèle grue. On va commencer avec une feuille carrée qui sera colorée d'un côté et blanche de l'autre pour les biens d'explication. On va commencer face colorée vers vous et on va se faire rejoindre le coin ici avec celui-là pour marquer un premier pli. On marque le pli et on réouvre et on fait pareil de l'autre côté. On réouvre. On va maintenant retourner la feuille et faire un pli pour rejoindre ce côté avec ce côté. On déplie et on commence de l'autre côté. Vous avez maintenant une sorte d'étoile à l'intérieur de la feuille. Vous allez prendre la partie basse, poser votre main et rabattre la partie gauche, puis à nouveau vers la gauche, puis rabattre la partie droite, puis on aplatit le tout. Vous avez maintenant un petit carré avec une partie basse qui se soulève et une partie haute qui reste ensemble. Vous allez prendre la partie droite et ramener ce côté avec la ligne centrale. Aplatis bien. Faites exactement la même chose de l'autre côté. Vous allez maintenant rabattre la partie haute pour créer un pli au niveau des morceaux que vous venez de rabattre. On déplie le tout et on va tirer la pointe, la première pointe, vers le haut. On va venir recréer une forme à partir des plis qui ont été pré-marqués. Et on va faire maintenant exactement la même chose de l'autre côté. Maintenant que vous avez fait les deux côtés, vous avez des jambes vers le bas et une partie haute où vous pouvez découvrir la pointe. Si vous partez des jambes, vous allez à nouveau vous faire rejoindre ce côté, le premier volet de ce côté, par la partie centrale. On recommence en face. Vous allez faire pareil exactement de l'autre côté. Une fois que vous avez fait ça, vous avez deux petites jambes et vous retrouvez votre pointe sur la partie supérieure. Vous allez maintenant prendre une des jambes et la plier en diagonale. Vous allez faire pareil de l'autre côté. Marquez bien les plis, vous pouvez utiliser l'ongle pour appuyer un petit peu plus. Et maintenant vous redépliez. Donc on passe à la partie un petit peu difficile. Vous allez passer votre doigt à l'intérieur pour ouvrir le pliage. Et vous allez pousser la jambe droite. Et vous allez faire sur les plis que vous venez de former. Vous allez faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc vous avez maintenant d'un côté
la queue et de l'autre côté le début du cou. On va maintenant créer la tête et le bec. Pour ce faire, vous allez plier, vous allez reposer votre pliage et vous allez plier la tête vers le bas. Vous marquez le pli et vous allez faire exactement la même manipulation qu'on vient de réaliser sur la queue et le cou. Vous allez appuyer vers l'intérieur. Vous allez retourner le pliage et vous allez refermer le pli. Et vous avez maintenant le bec. Et si vous tirez sur les deux ailes, vous vous rendez compte que vous avez un bel oiseau. Alors là, il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez fermer la première aile et avoir une grue à plat. Sinon, vous pouvez ouvrir la deuxième aile et former un petit peu chacune des ailes en les arrondissant pour pouvoir la poser. Tadam !